la voilà. Ici Jack Winger pour Canal 4 qui vous parle en direct du palais de justice de Redwood City. En décembre 1969, un gardien effectuant une de ses rondes habituelles découvrait dans un fossé jonché d'ordures le corps de la petite Susan Nason, âgée de 9 ans. Monsieur et Madame Nason, les parents de l'enfant assassiné, viennent d'arriver au palais de justice. Nous ne pouvons qu'imaginer les pensées, les sentiments qui les habiteront aujourd'hui en revivant ce drame. D'abord la presse, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et voilà, essayez d'avoir un gros plan. Depuis qu'il a été arrêté, l'accusé George Franklin Père, 51 ans, ancien pompier et père de 5 enfants, a décidé de se raser et de porter des lunettes. C'est sa propre fille, Eileen Franklin Lipsker, qui le poursuit en justice et qui doit témoigner aujourd'hui. Très bien, le greffier doit noter la présence des jurés, de l'accusé et de son avocat, et des gens qui sont représentés. Madame Tipton, vous pouvez appeler le premier témoin. Merci, votre honneur. Je désire appeler à la barre Eileen Lipsker, Franklin Lipsker. Déclinez votre nom complet et appelez le premier et le dernier de vos noms. Eileen Franklin Lipsker. E-I-L-E-E-N L-I-P-S-K-E-R. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Le jurez-vous devant Dieu? Oui. Merci. Veuillez vous asseoir. Madame Lipsker, pourriez-vous vous tenir le plus près possible du micro sans que cela vous incommode? Cet appareil n'est pas toujours très efficace. D'accord. Merci. Bonjour, Eileen. Bonjour. Voudriez-vous dire à la cour où vous résidez? Eh bien, nous habitions Los Angeles, mais les affaires de mon mari nous ont obligés dernièrement à devoir déménager en Suisse. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consistent au juste les affaires de votre mari? Il est consultant pour les systèmes centraux des ordinateurs. Très bien. Et est-ce que c'est la raison principale de votre déménagement? Oui. Et nous avons pensé que ce serait excellent et stimulant pour l'éducation de nos enfants. Mm-hmm. Voyons. Pouvez-vous identifier l'accusé? Il est assis là-bas, il porte un complet sombre et une cravate rayée. Et quel est votre lien de parenté avec l'accusé? C'est mon père. Et comment décririez-vous votre enfance et le type de relation que vous aviez avec votre père? J'ai toujours été sa préférée. Pourriez-vous nous dire quand les souvenirs impliquant votre père ont commencé à vous revenir? Au début, ce n'était que des images que je n'arrivais pas à saisir. Elles ont commencé quand nous habitions encore Los Angeles. Ça fait à peu près 2 ans. Bon, alors dis-moi, combien de temps penses-tu rester à San Francisco? Oh, seulement une fin de semaine. Je ne suis pas très sûre d'avoir envie que la famille sache que je serai dans le coin, vois-tu? Oh, ne t'inquiète pas. On ne se parle que très rarement. J'y suis allée, cependant, à l'occasion d'une réunion des anciens de l'école secondaire. Tu veux rire? Je n'ai pas vu la famille. Tu es quand même passé à la maison ou dans les parages ou... Dépêche-toi, non. Alors, dépêche-toi. J'en avais pas envie. Maman, regarde. J'ai oublié les cigarettes dans la voiture. Tu devrais arrêter. Maman, regarde-moi, viens me voir. Je viens. Uh-huh. Et voici Sika, l'acrobate. Oh, maman, bravo. Je veux descendre, comment je fais? D'accord, tu vas voir, c'est facile. Mets tes jambes autour de la barre. Oui, comme ça, allez, vas-y. Bravo. Encore une fois? Oui. Vas-y, remonte, fais le tour. Sika? 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 Maman, maman, je suis là, voyons. Ne disparais jamais, jamais plus comme ça, tu entends? Est-ce que tu m'as bien comprise? Oui, mais je me cache comment?
ça suffit. Ça suffit comme ça, vous deux compris. Ne vous éloignez pas, allons, je les veux enfants. Vous... Calmez-vous, calmez-vous. Allons boire quelque chose. Allez vous asseoir. Qu'est-ce qui t'a tellement effrayée? J'ai vraiment exagéré. Pensez à m'enregistrer le match de tennis. Oh, j'ai oublié. Eileen, pour l'amour de Dieu. J'aurais dû hurler au feu. Ça, c'est un crime contre la paix publique. Tu as déjà travaillé 1 million d'heures cette semaine. Et j'ai encore besoin d'un autre 1 million d'heures pour terminer ce travail. J'ai encore besoin d'un peu de temps, c'est tout. Mais dès que nous serons installés en Suisse, bla bla bla. Mon mari me manque beaucoup, Perry. Je m'en occupe. Toi, va recoucher le petit. C'était Barry. Il a eu de l'imprévu au travail. Mon fantôme de mari. Il a dit qu'il était vraiment désolé. Pourquoi ne pas profiter de cet imprévu pour examiner plus soigneusement votre enfance? Je suis heureuse d'en être sortie. On pourrait peut-être l'oublier et continuer. Vous voulez continuer vers où? L'autre jour, Sika s'est cachée dans le parc et... Et tout à coup, j'ai paniqué. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'était une merveilleuse journée ensoleillée et j'ai ressenti un froid de glace. Qu'avez-vous imaginé qui lui arrivait? Quelque chose d'horrible. J'ignore pourquoi, mais ça m'a fait terriblement peur. C'était vraiment quelque chose d'alarmant. Tu te sens bien? Comment veux-tu que je me sente bien quand j'ai pour mari un homme qui travaille jour et nuit et qui ne me voit même plus? Oh, je te vois et c'est bien pour ça que je te le demande. Tu sembles nerveuse et angoissée. Ça m'inquiète, moi. Tu me le demandes, mais tu souhaites que je te réponde oui, je vais bien. Alors je te dis oui, je vais bien. Ce que je veux que tu me dises, c'est ce que tu as. Est-ce que ça t'ennuie de devoir déménager en Suisse? Non. Au contraire, ce sera parfait. Tu redeviendras l'homme merveilleux et détendu que j'ai épousé. Alors on déjeunera pendant 2 heures et on fera des excursions. Et tu te transformeras en quoi? Oh, Barry. La dernière séance avec Ivan a dû être bonne. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai plus besoin de t'accompagner? Tu sais, tu es un homme brillant.
et un fantastique père de famille. Mais quand on s'est mariés, j'ai pensé que ma vie allait totalement changer. Alors pourquoi est-ce que tout n'est pas parfait? C'est l'éternelle question. Allez, viens. Quelle a été la réponse de votre mère? Elle nous a vus et elle est partie en fermant la porte. Plus tard, vous avez tenté de lui parler? J'ai essayé. Je lui ai dit, il m'a fait mal. Elle m'a regardé et m'a dit que je n'avais rien. Quel âge aviez-vous? Je devais avoir 6 ou 7 ans. Comment votre père se comporte-t-il avec vos enfants? Cela fait maintenant 4 ans qu'on ne se voit pas. Y a-t-il une raison à cela? Une fois, en revenant du jardin, je l'ai vu qui tenait Sika sur ses genoux et... Alors à ce moment-là, sans savoir pourquoi, j'ai attrapé ma fille et je lui ai demandé de partir. J'étais effrayée. En colère. Que s'est-il passé alors? Je me souviens du regard qu'il m'a jeté. Comme s'il savait. Même si moi je ne savais rien. Il n'est plus jamais revenu. Il envoie des cartes pour les anniversaires. Comment est-il humainement possible de se souvenir brusquement de toutes ces choses, des choses que j'ignorais même s'être passées? C'est probablement un mécanisme de protection pour réprimer un souvenir qui vous était insoutenable. Ou qui vous mettait en danger. Alors vous me croyez, vous? Bien sûr que je vous crois. J'ai manqué mon coup. Et passe-le. Allez les enfants, non, ça suffit, non. Voyons. Donne-moi le ballon. Ça suffit. Non, donne-moi le ballon. Non. Les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Oh, encore une fois, s'il te plaît. Sika. On peut regarder un dessin animé. Un petit voyou. On n'a pas d'école demain matin. Alors vous pourrez regarder un livre d'images au lit. Allez, montez. Il fait pas noir. Ça ne change pas l'heure. Est-ce que l'un de vous va monter? Est-ce que c'est déjà arrivé que l'un de nous ne monte pas? Hé. Bah... Va falloir que je te soulève. Allez, viens. Je vais t'aider à ramasser tout ça. Non, reste donc un peu avec moi. Impossible. J'ai des heures de travail devant moi avant de me coucher. C'est vrai, tu sais. C'était la seule façon de rentrer plus tôt à la maison. Va travailler, je m'en occupe. Maman. Oh, bonjour, vous. Oh, mon petit chéri aux yeux bouffis. Alors, on a bien dormi? Oui. Oui. On a envie d'être un peu avec sa maman. D'accord. Et de lire un peu, peut-être. D'accord. Parfait. Tu t'amuses bien avec Christine, Sika? Christine aussi, elle aime colorier, maman. Oh, c'est une bonne chose. Ça va, Christine? Allons-y. Avion. Oui, est-ce que tu avais déjà lu ce livre avant? Là. Garçon, c'est un garçon, oui. Et où est le mot fille?
Qu'est-ce mignon tout ça? Quelle jolie famille! Non, moi! Mais c'est la tienne, papa! Non, profite pas, c'est qu'à. Non, moi! N'approche pas trop, toi! Je ne peux pas faire de quoi de vedette si tu es trop près! Comme ça, très bien! Oups! Bon, alors on va traverser le pont et escalader la colline, d'accord? Est-ce qu'il y a des collines comme ça en Suisse? Oh, bien plus grande, des collines beaucoup plus hautes! Vraiment? Haute comment? Plus haute que ça? Ah, beaucoup plus haute que ça, oui! Avec tout plein de neige partout, on peut faire des bonhommes de neige tous les jours! Oui! Papa? Quoi? On peut jeter des cailloux aux grenouilles? Eh bien, les grenouilles sont plutôt rapides, ça m'étonnerait que vous puissiez! Lancez-les donc, vos cailloux, et laissez les grenouilles tranquilles! D'accord! Ah oui, vite, filme-les! Waouh, regarde celle-là! Viens voir, papa, viens voir! Allez, viens, on va là-bas, là-haut! C'est beau, hein? Qu'est-ce que tu as sur la figure? Aileen, est-ce que ça va? Tu n'as rien? Oh, que je suis maladroite. Tu t'es écorché les genoux? Non, j'aurais même pas droit à un pansement. Vous voyez? J'ai rien. Je vais bien. Allez, on continue. Il est par ici, maman. Barry? Quand tu fais quelque chose de nouveau et que tu ne sais pas exactement ce que cela va donner, est-ce que cela te fait peur? Pourquoi je devrais avoir peur? Parce que tu ne sais pas ce qui pourrait arriver. Alors comment sais-tu si tu pourras tout contrôler? Je le sais, c'est tout. Un homme violé. Il a quoi? Il a laissé un homme violé. Oh mon Dieu. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Je ne m'en suis jamais souvenu. Jusqu'à ces derniers temps. Quel âge avais-tu? 8 ou 9 ans. Tellement présent que j'en sens encore la douleur. Et aussi combien j'étais seule. Non. Non, tu n'es plus seule maintenant. C'est moi qui vais prendre soin de toi.
pas, tu n'es pas dégoûtée? Non, Eileen. Non, tu n'as rien fait, toi. Ce n'est pas tout. Mais je suis incapable d'en parler ce soir. Ça va. D'accord. Allez, viens. Reviens te coucher. Non. Vas-y, toi. Non, je ne vais pas te laisser là toute seule. Non, je vais... Je vais descendre dans la cuisine. Faire un peu de thé. Non, je t'en prie. J'ai besoin d'être seule. Je voudrais tuer ton père. L'envoyer en prison. Pour qu'il paie pour ce qu'il a fait, ce salaud. Maman, est-ce que pour une fois tu vas enfin me dire la vérité? Je me souviens des terribles raclées, de tous les hurlements et des scènes horribles. Celle dont je n'ai aucun souvenir, c'est toi. J'étais la grosse vache qui fait meu-meu. Tu te rappelles une fois où j'étais dans la baignoire avec papa et j'ai crié? Tu as jeté un coup d'œil et tu es partie en fermant la porte. Non, je ne me souviens de rien de semblable. Non? Mais tu étais là pourtant, pas vrai? Oui, j'y ai passé plus d'années que celles dont je voudrais me souvenir. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas protégée? Parce qu'il n'y avait sans doute aucune raison de te protéger. Ça, je ne le crois pas. À cette époque, je devais me battre pour survivre. Tu n'as pas idée de ce qu'était ma vie. Tu étais ma mère. Je n'étais qu'une enfant. Tu avais le devoir de prendre soin de nous. J'en étais incapable, même pour moi. Je sais bien que ça ne change rien que je te le dise. Et le fait que Susie Nesson ait été tuée. Susie? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Papa l'a tuée. Oh non. J'étais là. Je l'ai vue faire. Mon Dieu. Pourquoi viens-tu me raconter tout ça? Parce que tu es non seulement ma mère... mais une avocate. Je ne t'ai pas été d'un grand secours en tant que mère. Il te faut un avocat au criminel. Ça ne t'étonne guère, n'est-ce pas? Maman, réponds-moi. Ça t'étonne? Non. Non, ça ne m'étonne pas du tout. Tu l'as dit à Barry? Comment vas-tu le lui expliquer? Et comment est-ce que je vais le dire à mon mari? Je veux dire, il ne sait rien de mon premier mariage, de ma vie. Je t'en prie. Tu vas aller dire tout ça à la police? J'en sais rien. Je veux agir selon ma conscience. Je dois au moins ça à Susie, tu ne crois pas? Tu n'es pas venue que pour voir la chambre du bébé. C'est de papa que je suis venue te parler, Kate. J'ai commencé à me souvenir de plusieurs choses. Écoute, ça fait des années que je ne le vois pas.
D'accord. Mais dis-moi ce dont tu te souviens du temps où nous étions enfants, tu étais l'aîné. Vois-tu, je n'ai que des souvenirs très vagues sur cette époque jusqu'à ce que je quitte la maison. Moi aussi. Pourquoi, Kate? Pourquoi est-on tous aussi vagues? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est une partie de notre vie qui est terminée. D'autre part, on est toutes les deux mariées maintenant. Ne me tourne pas le dos. Quoi que tu essaies de faire, ne mêle pas à tes histoires. D'une manière ou d'une autre, il pouvait me contrôler. Mais Susie serait rentrée chez elle et aurait raconté ce qu'il lui avait fait. Il fallait qu'il la tue. Pourquoi ne t'a-t-il pas tué toi aussi? Parfois, j'aurais souhaité qu'il l'ait fait. Tu mens, c'est tout. Maman la croit, Georges. Bien entendu, elle lui en veut à mort. Moi pas. Au contraire, je l'aime. Et je t'aime aussi, tu es mon unique frère. Alors pourquoi veux-tu qu'on se ligue tous contre papa? Il n'a pas une seule chance. Elle l'a eu, Susie. Et toi, t'en as eu? Quand il te rouait de coups, nous, on devait prendre ta défense. À supposer que ce soit vraiment arrivé. Pourquoi l'as-tu pas dit tout de suite en rentrant à la maison? Je n'en sais rien, j'étais terrorisée. Je ne peux pas le croire. C'est notre père. Très juste. Alors pourquoi aucun d'entre nous ne va jamais le voir, et cela depuis des années? Entre nous, on n'évoque jamais l'époque de notre enfance. Pourquoi? C'est étrange, non? Ce qui est étrange, c'est que tu aies soudain retrouvé la mémoire. Toutes ces années sans rien, tout à coup te voilà avec ces accusations dingues. J'y étais, c'est tout. Et je l'ai vu. Tu es cinglée. C'est vrai, Georgie. J'ai tenté d'oublier tout ça. Je ne voulais pas me souvenir. Écoute, si tu veux un conseil, n'entreprends rien que tu ne puisses contrôler. Tu vas finir par nous gâcher la vie avec tes histoires. Je n'ai aucune envie de vous gâcher la vie à tous. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Barry est au courant? Non, pas pour le meurtre. Seulement pour d'autres choses. Toi aussi. Oh, Johnny. Pourquoi n'as-tu jamais raconté ce qu'il te faisait, dis-moi? Je ne pouvais pas. J'ai toujours cru que toi, tu avais plus de chance, que c'était différent pour toi. Et voilà, tu y es. Très bien. Et maintenant, en route. Voilà. Attends un peu. Allez, bien allez mon petit bonhomme, c'est ton tour. Non, maman. Oh, allez, on y va. Ouais. Ce gros cheval-là, ça te va, tu es d'accord? Ah, et voilà. Allez, en route, bonne balade, cowboy. Maman, regarde, je suis le cavalier solitaire. Barry. Je ne t'ai pas tout dit l'autre soir, il y a autre chose. Tu veux dire au sujet de ton père? Et aussi de Susie. C'était ma meilleure copine. Il a abusé d'elle aussi, c'est ça? Ben oui, il a fait pire, il l'a tuée. Je l'ai vue quand il l'a fait. Tu l'as vraiment vue? Est-ce que vraiment tu l'as vu la tuer? Elle était assise sur une petite colline. Elle m'a regardée me suppliant de lui venir en aide et je n'ai pas pu la sauver. Qu'est-ce qui te fait te souvenir après toutes ces années, dis-moi? Je ne sais pas. Sika, je crois. Ces derniers temps, elle me rappelle terriblement Susie. Il faut qu'on en parle à la police. On ne me croira pas. Mais il ne devrait pas être en liberté et pouvoir traîner n'importe où. C'est un assassin. Eileen, tu n'as pas le droit de cacher ces informations. On doit absolument avertir la police dès qu'on sera à la maison. Je ne veux pas que les enfants sachent les choses horribles que leur grand-père m'a faites. J'aurais honte. Je ne pourrais pas supporter ça. C'est lui qui doit avoir honte, Eileen, et pas toi. Il faut que tu comprennes que c'est un monstre. Un monstre? Un monstre. Voilà le monstre. Viens là, toi.
Tu as raison. Fais-le. Très bien. Elle est là. Je vous la passe tout de suite. Et voyez s'il y a matière à procès. Je vous la passe. C'était à Foster City. Elle s'appelait Susan Nason. N-A-S-O-N. Quel âge avait Susan au moment de ces événements? 8 ou 9 ans. Laissez-moi réfléchir une minute. Je crois que ça s'est passé en automne, en 69. Très bien. Continuez, racontez-nous ce qui est arrivé. Écoutez, vous ne pouvez pas regarder si vous avez quelque chose sur cette affaire? Je ne peux pas avoir accès au dossier en ce moment. Votre mari a dit que vous nous donneriez des détails. Pourquoi leur as-tu dit que je leur donnerais des détails, Barry? Pas beaucoup, juste assez pour qu'ils puissent arriver à s'y retrouver. Ils veulent des précisions et des détails. C'est qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est un crime, c'est grave. Est-ce que vous écoutez tout ça? Madame, nous sommes de votre côté. Pourquoi est-ce que vous ne nous dites pas brièvement ce qui s'est passé? Nous allons sortir les dossiers et voir si ça correspond. Est-ce que ça vous va comme ça? D'accord. Voilà. J'étais dans la voiture avec la personne qui a commis le crime. C'était à Foster City? Mm-hmm. Nous sommes allés dans les bois. C'est réellement difficile à dire. Après ça, pour je ne sais quelle raison, il a emmené Susie hors de la voiture. Elle a regardé vers moi pour que je l'aide, je pense. J'ai vu l'homme qui levait les bras et... J'ai regardé plus bas vers la main de Susie et c'est là que j'ai vu la bague tout écrasée. Est-ce que ça ne vous suffit pas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous étiez dans cette voiture? Parce que c'était une personne que je connaissais. Est-ce que vous vous rappelez s'il pleuvait ce jour-là? Non, il ne pleuvait pas ce jour-là. Au contraire, il faisait... Il faisait vraiment très beau. C'était une belle journée. Oui, j'aurais sûrement mieux fait de te le dire. Moi aussi, je suis allée trouver la police. Au sujet de Susie? Quand? Ça fait environ 7 ans. Pourquoi, Jenny? Je parlais avec une amie et soudain, je me suis souvenue de la nuit où Susie avait disparu. Et je me suis souvenue que papa était très bizarre, étrange. Et tu étais tellement effrayée. C'était curieux. La police est venue à la maison, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu n'as pas voulu descendre, tu restais dans ta chambre. Je me souviens que... Quand je suis descendue pour leur parler, juste avant que je franchisse la porte... Notre cher père m'a donné un coup dans le dos. Penses-tu qu'il essayait de te faire peur de sorte que tu ne leur dises rien? C'est ce que je crois, maintenant. Je me souviens que je suis montée dans ta chambre et que je me suis mise au lit avec toi. Tu étais en nage et tu grelottais. Quand tu es allée à la police, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à toi? Ils m'ont tapoté la tête et ils m'ont dit de rentrer à la maison. Oh, Janice, moi non plus, jamais ils ne me croiront. Non, non, c'est différent pour toi parce que toi, tu y étais. Eileen, appelle le bureau de police. S'ils n'ont rien trouvé, on aura au moins fait ce qu'on devait faire.
Peut-être que je devrais parler avec les parents de Suzy. Tu n'as pas envie de connaître la vérité? De savoir que la personne responsable est finalement sous les la verrous? La personne responsable? C'est de mon père dont on parle. Nous attendions justement votre appel. Il est rare qu'on soit autant en émoi à cause d'un cas. Ce n'est pas à vous que j'ai parlé la fois précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le sergent détective Robert Morse. Je voudrais que l'on parle de vive voix. J'habite Los Angeles. Est-ce qu'on pourrait passer durant la fin de semaine? Est-ce que vous serez en uniforme? Je ne veux pas que nos voisins se demandent ce que les policiers font chez nous. C'est compris, non. Nous serons habillés en civil et nous aurons une voiture de location. Je ne veux pas vous offenser, mais... J'ai comme beaucoup de gens un peu de méfiance envers les officiers de police. Vous êtes entre bonnes mains. On est les bons, ceux qui ont des chapeaux blancs. Voyons, vous pouvez me donner le nom du suspect? C'est que j'ai deux petits-enfants. Vous êtes sûr qu'il ne saura rien? Bien entendu. Du moins tant que nous ne serons pas convaincus de donner suite à cette affaire. Savez-vous le nom du suspect et où on peut le trouver? C'est... George Franklin Bear. Il habite la région de Sacramento. Et vous, vous vous appelez? Eileen Franklin Lipsker. Vous avez bien dit Franklin? Oui. C'est mon père. C'est fini. C'est moi, c'est Barry. Maman Ça, c'est mon petit garçon. Regarde les jolies fleurs qu'on a cueillies. Oh, elles sont splendides. Il en reste encore au jardin? Est-ce qu'on va les mettre dans l'eau? Bien sûr. Merci. Merci. Ah. Les choses n'ont pas à avoir l'air parfaites. Il faut que tout soit en ordre. Ils vont juger jusqu'au moindre détail. Faire des suppositions sur mon compte, sur nous deux. Est-ce que tu as entendu une voiture? Je suis Eileen Lipsker. Bob Morse. Et voici Brian Cassin. Bonjour. Et voici Jessica. Jessica. Bonjour. Bonjour. Salut, Aaron. Barry Lipsker. Barry. Bonjour. Comment allez-vous? Allez, les enfants, on s'en va. Papa. Alors, amusez-vous bien. Au revoir. Venez, on va chez grand-mère. Je croyais que vous ne deviez pas porter vos uniformes. Ça ressemble davantage à ça. Non, ce n'était pas comme ça. La camionnette était là. Et ils étaient plus bas que moi. Ils étaient plus bas que vous? Oui. Il y avait une sorte de colline. C'est important? Pouvez-vous vous rappeler un acte, disons, plutôt bizarre que votre père aurait pu commettre à l'époque du meurtre de Susan? Je me suis éloignée de tout le monde après ces événements. Vous êtes cependant resté proche de votre père. Je crois que c'était la seule manière que j'avais de me protéger. Et il fallait que je reste avec lui et que je sois près de lui tout le temps.
Que pensez-vous du mariage de vos parents? Diriez-vous qu'il était réussi? C'était une catastrophe. Ils se disputaient à longueur de journée. Ils le battaient? Oui. Est-ce que votre père buvait beaucoup? Oui, énormément. Il se droguait? Il prenait du hache, je crois. En plus du meurtre, y a-t-il eu d'autres incidents ou des abus d'ordre sexuel avec vous et vos frères et sœurs? Je voudrais qu'on laisse mon frère et mes sœurs en dehors de tout ça. Excusez-moi. Eileen, quelle opinion avez-vous de votre père? L'opinion que j'ai de lui? Je ne sais pas. Il est sûrement malade. Elle l'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais elle continue à l'aimer. Il aurait pu me tuer, moi aussi. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'était pas nécessaire. Il te tenait et faisait de toi absolument tout ce qu'il voulait. Que dis-tu de la fois où j'ai eu la crise d'appendicite? C'est lui qui s'est occupé de moi et qui m'a conduite à l'hôpital. Il m'a tenu la main quand j'avais tellement peur. Il m'a sauvé la vie. Alors, ça n'est pas une vendetta. Pourquoi voulez-vous que j'ai envie d'envoyer mon père en prison? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il buvait et que émotionnellement et physiquement, il a abusé. Mais pourquoi voulez-vous tous que je haïsse mon père? J'étais une petite fille qui faisait rire avec des taches de rousseur et de grosses dents. Et lui, il m'a dit qu'il me trouvait belle et que je pourrais devenir ce que je voudrais. Je l'adorais, cet homme. Tout ce que j'ai à dire, c'est que vous devriez l'enfermer et ensuite jeter la clé. Que se passe-t-il maintenant? On va l'arrêter. Vous ne lui ferez aucun mal? Il sera mieux protégé que vous. Suzanne ne l'avait jamais été. Joyeux anniversaire, maman! Joyeux anniversaire, maman! Attention, j'arrive! Oh, bon sang! Où avez-vous trouvé un gâteau aussi magnifique? C'est toi qui l'as fait! Oui, mais qui m'a gentiment aidée pour le glaçage? C'est nous! C'est nous! C'est nous! Maman, il faut que tu fasses un vœu. Allô? Maman! Chut! Oui. Oui, Monsieur Morse. D'accord. C'est fait. On l'a arrêté. Maman, dépêche-toi, il faut faire un vœu. Ils se servent de toi. Tu es ridicule, Georges. Le procureur ne se sert pas de moi, il me croit. Voilà tout. Tu es en train de détruire notre famille. Georges, tu fais erreur. Ce n'est pas moi qui ai fait ça à la famille, c'est lui. Georges? Chérie? Quoi? Oh mon Dieu. Que va-t-on faire si les enfants prennent quelque chose à l'école? Comment les protéger? Tu leur dis la vérité, c'est tout. Tu as vu un homme faire quelque chose de mal. Tu dois te présenter devant le tribunal pour dire ton histoire. C'est comme ça que tu les protégeras. J'aurais voulu que vous voyiez tout ce qu'on a trouvé dans l'appartement de Franklin. Plein de magazines pornographiques, sans parler des photos de jeunes enfants. Ah, ce serait magnifique si on arrivait à ce que les jurés puissent voir tout ce matériel. Mais ils ne les verront pas. Donc, le type est pervers, mais ça n'en fait pas un criminel. Je donnerais n'importe quoi pour que Franklin soit appelé à la barre. Holmgren ne prendra jamais ce risque. Si Eileen n'est pas un témoin sérieux, il n'y a pas d'affaire. Rien que du fatras émotionnel. Elle pourrait nous claquer entre les doigts. Est-ce que vous avez fouillé mon casier judiciaire? Découvert tous les secrets de mon passé? Voici Eileen. Bonjour, Eileen. Bonjour. Oui, on l'a fait. Je suis Elaine Tipton. Entrez donc. Vous savez absolument tout de moi, mais je ne sais rien de vous. Asseyez-vous. Merci. C'est Elaine qui est chargée de l'affaire. Une minute, s'il vous plaît. J'ai parlé à Monsieur Murray. Monsieur Murray a un autre procès. Il y a conflit d'horaire. Vous m'aviez promis de ne pas faire cela, me balader d'une personne à une autre.
Eh bien, c'est que cela aurait signifié un retard et aurait fait du tort à l'affaire. Et à vos chances de gagner, mon frère est convaincu que vous vous servez de cette affaire pour promouvoir votre carrière. Je sais cela. Je l'ai eu au téléphone. Il a décidé de témoigner pour la défense. Cette dame fait des miracles. Vous pouvez avoir confiance. Vous aviez aussi dit que je pouvais vous croire. Susie n'est pas simplement un autre cas pour moi. Si vous ne voulez pas le croire, alors nous attendrons M. Murray. Voulez-vous dire que j'ai vraiment le choix ? Évidemment, vous avez le choix. Vous êtes notre principal témoin. Je ne voulais pas me montrer difficile. Non, vous avez raison de poser des questions. Aline, nous sommes tous du même côté ici, de votre côté. Depuis quelque temps, je pense sans cesse aux parents de Susie. Est-ce que je pourrais les voir ? Pas question. On pourrait penser que vous êtes de connivence, c'est beaucoup trop risqué. Oui, et vous ne pouvez faire aucune déclaration à la presse. En fait, vous ne pouvez discuter de cette affaire avec personne. Vous ne devez ni lire les journaux, ni regarder la télévision. Et vous n'irez au tribunal que lorsqu'on vous demandera de témoigner. Et pourquoi ? Je vais écouter les autres témoignages. On ne peut permettre que la défense prétende que vous avez obtenu des informations sur le meurtre autrement que parce que vous y étiez. Et pas de thérapeute. Ce qui signifie qu'avec ma famille au loin, je n'aurai personne. Vous nous aurez nous. Aline, réfléchissez, il n'y a personne qui croira que vous voyez votre thérapeute sans lui parler du procès. Et s'il arrive que votre thérapeute soit cité à comparaître pour faire... Ah, merci. Faire le point sur votre traitement passé, nous pourrons toujours exiger que ces informations demeurent confidentielles. Merci. Mais je n'ai absolument rien à cacher. Est-ce terminé ? Oui, à moins que vous n'ayez des questions. Je voudrais rendre visite à mon père. J'ai déjà pris contact avec la prison. Est-ce que j'aurais dû demander la permission avant de le faire ? Que vous alliez le voir ou non, cela ne regarde que vous. Quand je l'ai arrêté, la première chose qu'il a dite a été « Avez-vous parlé à ma fille ?» Alors peut-être qu'il avouera, ce qui épargnerait à l'État beaucoup d'argent. Est-ce vraiment toi ? Oui. Oui. Cela fait si longtemps. Au moins 4 ans. Tu as bien changé. Tout ça est vraiment difficile pour moi, tu sais. Il y a certaines choses que je tiens absolument à te dire. Je suis très fière de la femme que je suis devenue. Tu m'as tellement donné. Tu m'as encouragée à ne jamais cesser d'apprendre. À devenir une meilleure personne. Et à exprimer ce que je pense. Voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Papa, je ne te hais pas. Toutes ces choses que tu m'as enseignées quand j'étais petite... Que la vérité libère. Je suis convaincue que c'est ce que tu veux pour nous deux. Et je crois que tu devrais dire la vérité maintenant. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ?
Il y a une seule chose. Une chose que toi seul puisses faire. Y a-t-il autre chose ? Oui. Je voudrais que tu reviennes me voir. D'abord, quand j'ai su tout ça, je me suis sentie comme si une bombe m'était tombée dessus et que je n'arriverais jamais à m'en remettre. Georges a décidé de témoigner pour la partie adverse. Je me demandais si tu étais au courant. Il m'accuse de détruire la famille, de la désintégrer. Et toi ? J'ai parlé avec Hélène Tipton ce matin. Je témoignerai en faveur de la partie plaignante et je ferai tout ce que je pourrai pour t'aider. Quoi ? Merci, maman. Je le crois que tu étais présente. Et j'en suis désolée parce que je sais à quel point tu l'aimes. Je suis allée le voir. Ne me dis rien. Nous devons faire très attention. Nous n'avons pas le droit de discuter de ça. D'accord. L'avocate, c'est toi. Enfin, au moins, cette fois-ci, ta mère va te défendre. Peut-être que cette affaire va finalement rapprocher ta famille. Sûrement, à supposer qu'on me reparle le jour. Ton père n'a pas nié. Je crois qu'il était fier de moi. Quoi ? Aileen, comment peux-tu encore attacher de l'importance à ce qu'il pense de toi ? Ce que j'ai entrepris de faire est vraiment très dur pour moi, Barry. Un enfant ne devrait pas envoyer ses parents en prison. Tout ce que je veux, c'est fermer la porte et recommencer à zéro. C'est dingue, mais qu'est-ce que je deviens dans tout ça, moi ? Je ne peux pas te laisser seule, pas en ce moment. L'un de nous doit rester auprès de Aaron, Jessica. Je vais les accompagner, je reviens tout de suite. Ils ne peuvent pas commencer une nouvelle école dans un pays différent sans l'un de nous. Au moins, j'aurai la tranquillité de savoir qu'ils sont loin de toute cette affaire. Non, je devrais rester auprès de toi. J'y arriverai toute seule. Tu sais pourquoi ? Parce que mon terrible père m'enseignait que j'étais assez forte pour entreprendre n'importe quoi. C'est dingue, hein ? Mais j'y arriverai. J'aimerais que tu viennes avec nous, maman. Oh, très bientôt. Dès que je le pourrai. Personne ne va te faire de mal ? Oh, non, il ne peut rien me faire. C'est fini. Je t'aime. Je t'aime, maman. Tu vas me manquer. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Amusez-vous bien. On va passer à travers tout ça. Quoi qu'il arrive. Je le sais. Je t'appellerai tous les soirs, on va avoir une note de téléphone astronomique. Tu me promets d'appeler mes parents si tu as besoin de quelque chose. Et tu me promets... Oh, Barry. Ma femme va me manquer. Elle va me manquer énormément. Pour toi et les enfants, c'est pour vous accompagner. Mais attendez pour l'ouvrir d'être arrivé à la maison, d'accord ? Au revoir et bon voyage. Téléphone-moi dès que vous serez arrivé pour que je sois rassurée. Au revoir, je vous aime. Au revoir, maman, je t'aime. Au revoir, maman. Je t'aime.
Elle me plaira, le docteur Thayer? Je le pense bien. Tant mieux. C'est elle qui décide si je suis vraiment normale. Je ne sais pas, probablement. C'est une experte en trauma de l'enfance. Son avis est nécessaire pour voir comment s'ajustent les souvenirs refoulés. Ce qui veut dire, est-ce vrai ou ai-je inventé tout ça? Votre mère faisait des dépressions nerveuses. Vous aviez quel âge? La première fois, peut-être 6 ans. Est-ce que quelqu'un vous a alors expliqué ce qui lui arrivait? Mon père disait que c'était à cause de ce que nous, les enfants, lui faisions. Et au cours de ces moments difficiles, vous est-il arrivé de parler avec une autre voix? Une autre voix? Non, bien sûr que non. Je me sentais juste un peu plus bizarre que d'habitude. Vous êtes-vous parfois senti invisible? Oui. Je pensais que si je me cachais dans les recoins obscurs et que si je me faisais toute petite, personne ne saurait où j'étais. Longtemps, j'ai cherché refuge dans les placards. Et que faisiez-vous dans les placards? Je m'asseyais. J'attendais, je pensais. Parlez-moi de votre père. Je trouvais que c'était le plus merveilleux et le plus beau de tous les hommes. Je riais avec lui. Qu'est-ce que vous faisiez donc de si drôle avec votre père? On se caressait. On jouait. On avait plein d'aventures. On se chatouillait comme des fous. Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus de rire autant. Je me rends compte aujourd'hui que c'était déplacé. Est-ce durant une de ces séances qu'il a essayé de vous agresser? Je n'en suis pas sûre. Il était assis sur le lit et... Il a glissé sa main sous ma robe et... Vous a fait une pénétration digitale. C'est très confortable. L'endroit parfait pour s'évader. Non. Un endroit pour être bien tranquille. Arriva-t-il parfois que chez vous, ce soit tranquille? J'entends encore le tumulte dans ma tête. Est-ce que vous vous demandiez parfois comment vivaient vos amis? Dans mon esprit, c'était pareil partout. Je veux dire, même dans la bande à Brady à la télé, je m'imaginais qu'une fois la porte close, tout le monde avait droit à une raclée de papa. Vous avez envie d'un café? Oh, regardez, venez, aidez-moi, il me faut quelque chose pour les enfants. Il faut que l'on parle. Pourquoi en ai-je peur? Que pensez-vous du t-shirt vert? Au début, quand on a vérifié vos déclarations, tout était clair. Mais on a tout revérifié. La robe bleue imprimée. J'étais très jeune. J'avais goûté à la drogue. Vous voyez cette dame si correcte qui est avec vous? Croiriez-vous qu'autrefois elle ait pu être arrêtée pour prostitution? Ce n'est guère admissible en cours, mais nous ne pouvons pas contrôler ce que des journalistes pourraient découvrir et publier. Votre principal témoin perdrait-il de sa crédibilité? Non, non. Selon le psychiatre auprès de qui nous nous sommes renseignés, eh bien, cela semble être un comportement typique que développeront en grandissant beaucoup d'enfants dont on a abusé sexuellement.
essayer d'expliquer ses comportements typiques à ma petite fille de 7 ans. Et vous, comment vous l'expliquez-vous? Si on découvre quelque chose, croyez-vous que l'on me permettra de continuer à être la chef-tête de mes enfants? Oui, j'ai écouté l'enregistrement. Ce détective a eu de la chance. Le service des escortes avait dit qu'il fallait que je sois naturelle. Comment pouvais-je savoir que j'avais rendez-vous avec un flic? Il avait un micro, il a dit qu'il ne connaissait pas votre prix. Quand vous lui avez demandé combien il avait, vous lui avez dit de garder 20 dollars pour qu'il ne soit pas complètement fauché. Je crois que je n'étais pas faite pour ce travail. Maintenant, vous comprenez pourquoi je me méfie tant des chapeaux blancs. Eh bien, j'espérais qu'on aurait pu arriver à changer ça. Pensez-vous qu'il se demande ce qui a pu arriver à l'enfant qu'il avait arrêté? Peut-être qu'il espère être intervenu à temps. Vous dites ça parce que vous ne voyez qu'un seul côté des choses. Y a-t-il une autre manière? Pour moi, j'étais responsable. Si les conditions ne me plaisaient pas, j'aurais dit non. C'est un luxe qu'enfant je n'ai jamais connu. On a adoré ton cadeau, tu sais. Je l'ai servi aux enfants ce matin pour le petit déjeuner. Quand je serai là, je vous préparerai un festin. Est-ce que les enfants ont aimé leur école? Ne t'inquiète pas. Sika s'est déjà fait une amie. Et Aaron a découvert les vaches à côté de la maison. Donc, si tu as besoin de moi... Essaie que les enfants ne m'oublient pas. Si tu savais comme cette maison est vide quand tu n'es pas là avec nous. Oh oui, je le sais. C'est sûrement l'endroit où il avait garé la camionnette. Je vais lui demander de témoigner au sujet du viol. En audience publique? Savez-vous ce que ça représenterait pour elle? Il faut absolument arriver à prouver qu'elle avait bloqué sa mémoire. Selon le docteur Terre, la répression des traumas se développe quand le sujet endure dans l'enfance des violences répétées. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse le supporter. J'ai passé plusieurs heures avec elle pour étudier le moindre détail de cette affaire. Il me semble qu'elle y arrivera. Bien, dans le cas où elle accepterait l'idée... Aline, nous devons vous demander quelque chose de très difficile. Ce n'est pas assez d'avoir mis ma vie sans dessus-dessous. Bon, allez-y. Il va nous falloir inclure le témoignage du viol dans le procès. Non! N'espérez pas que j'aille à la barre raconter à tous ces étrangers ce que mon père m'a fait quand j'étais enfant. Ce n'est pas juste. Ça ne les regarde pas. Ce n'est pas une décision prise au hasard. Alors vous n'avez qu'à le lui demander. Obligez-le à avouer, ce n'est pas moi le criminel. Il n'y a aucune chance qu'il témoigne. Alors il faut que je mette ma vie en morceaux? Que tout le monde me voit comme de la viande avariée? Je prends déjà le risque que mon passé soit brusquement dévoilé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que vous n'ayez plus jamais à vous cacher dans les placards. J'aime les placards. Aline, cela vous aiderait peut-être d'essayer de le raconter rien qu'à moi. Tout de suite. Rien que pour vous non. En libérer. À vous de le prouver. Est-ce que je n'ai pas été suffisamment mise à Aline, nu? Aline, je suis là pour vous appuyer en tout à chaque instant, mais je ne peux pas aller à la barre à votre place. Ce sont vos paroles que les jurys doivent entendre. C'est votre douleur qu'ils doivent sentir. Votre courage qu'ils doivent voir. Écoutez, s'il vous plaît, au moins, asseyez-vous. Et essayez rien qu'une fois avec moi. D'accord? D'accord, oui. Bon, alors, si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à m'appeler. J'avais fréquemment mal à l'estomac. Alors souvent, on ne m'envoyait pas à l'école. J'allais passer la journée avec mon père. Mais si vous étiez trop malade pour aller à l'école, comment pouviez-vous sortir avec votre père? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était son idée? Oui. Il travaillait souvent au noir quand il avait terminé ses heures de service. Il repeignait les maisons et les appartements, etc. Un jour, nous sommes allés à San Francisco. Dans un appartement vide. Pouvez-vous décrire cet appartement? Oh,
Que je m'en aille. Que se passe-t-il? Aline, je vous en prie, attendez. Vous avez faim? Il n'y avait rien sur le plancher. Il était dur et froid. Il y avait des fenêtres, mais pas de rideaux. Je l'ai déjà dit. Non. Il y avait un stéréo, des canettes de bière. Qui était là? Mon père. Un homme aussi. Est-ce que vous le connaissiez? C'est ce dont je me suis souvenue. Ils étaient comme fous. Je crois qu'ils avaient pris de la drogue. Ils faisaient des choses bizarres. Ensuite, mon père m'a saisi et m'a couché sur une table. Il me tenait par les épaules. Et soudain, il y a eu une main sur ma bouche. Et il a laissé cet homme me violait. Pouvez-vous identifier cet homme? C'était Sam Gerard. Quoi? Je suis désolé, mais le témoin pourrait-il parler plus fort? Sam Gerard. Comment connaissiez-vous son nom? C'était mon parrain. Que s'est-il passé ensuite? Ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont allés. Je suis restée là, à attendre. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Quand j'ai pu me relever, j'ai mis mes souliers et mes chaussettes. Je suis allée à la recherche de mon père pour rentrer à la maison. L'audience est suspendue pour 20 minutes. Souvenez-vous qu'il est interdit de discuter du procès entre vous ou avec quelque personne que ce soit. Ça va être facile de faire oublier des mariages comme celui-là. Ici, alors. Écoutez, ne vous faites pas un drame avec tout ça. Il va falloir qu'elle prouve ce qu'elle avance. Généralement, c'est assez rapide. Détendez-vous. Vous avez été très bien. Asseyez-vous. J'entends toute la presse qui se met à gribouiller chaque fois que je dis quelque chose. Oui, bien.
Faites comme si vous étiez dans le bureau d'Hélène et respirez à fond. C'est comme si je revivais intégralement ce viol devant tous ces inconnus qui m'observent. Je ne veux plus qu'ils me voient pleurer à nouveau. C'est tout ce qu'il me reste de personnel désormais. Ici Ben Daniels pour Canal 5. Aujourd'hui, nous avons entendu des révélations qui nous font accuser davantage le suspect. On t'envoie tout au journal. Est-ce que vous avez des commentaires? C'est Susie Nason. Et voici ma fille. Merci. Et voyez-vous une ressemblance véritable entre votre fille et Susie Nason? Une très grande ressemblance. Ce sont deux petites filles blondes aux yeux bleus. Et c'est pendant que vous regardiez votre fille que vous avez eu votre premier souvenir du meurtre? Oui. Je tenais mon fils Aaron et Sika, Jessica, était assise par terre. Elle jouait avec une amie. À un moment, elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux sont d'un bleu intense comme ceux de Susie. Et tout à coup, j'ai vu le visage de Susie. Comment se fait-il que Susie se soit trouvée avec vous le jour de sa disparition? J'étais avec mon père dans la camionnette. Sur le tableau à côté de vous, il y a une photo d'une camionnette. Est-ce la même camionnette? Vous pouvez vous lever et regarder de plus près. Oui. Nous étions sortis avec la camionnette et on a aperçu Susie près de chez elle, de l'autre côté de la rue, devant un grand champ. J'étais contente et j'ai demandé à mon père si elle pouvait venir avec nous, donc elle est montée avec nous. Et où êtes-vous allée? Vers un bois. Aujourd'hui, il me semble que c'était Half Moon Bay. Il y avait un matelas à l'arrière et Susie et moi, on jouait dessus. Que s'est-il passé quand votre père a arrêté la camionnette? On jouait à rebondir sur le matelas. On s'amusait. Je me souviens qu'à un moment, j'ai regardé dehors et je l'ai vu debout en train de boire une bière. Et je crois qu'il fumait une cigarette. La porte sur le côté de la camionnette était ouverte. Et lui, mon père, était là, juste devant, nous cachant le soleil et ensuite, je me souviens qu'il est monté dans la camionnette. Et qu'a-t-il fait une fois dans la camionnette? Il s'est mis à jouer avec nous. Vous étiez toujours à l'arrière de la camionnette pendant qu'il jouait avec vous et Susie? Au début, oui. Ensuite, je suis passée entre les deux sièges avant. Et je suis allée à la place du passager, je me suis retournée et j'ai mis mes deux mains autour du siège. Pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, ce que vous avez vu? Susie avait les genoux repliés, sa jupe était relevée, quelque chose de blanc. Que c'est difficile. Mon père... Est-ce qu'il avait toujours son pantalon? Oui, ça, j'en suis pratiquement certaine. Il tenait de force Susie collée au matelas par les deux bras. Et je glissais par terre. Aline, avez-vous entendu un bruit que Susie aurait pu faire ou des mots qu'elle aurait prononcés? Je crois qu'elle a dit... Non, pas ça. Non, pas ça.
peu d'eau, s'il vous plaît. Continuez, Eileen. Susie a levé les yeux et nos yeux se sont rencontrés. Je crois que j'ai hurlé quand j'ai vu mon père. Pourriez-vous décrire ce que faisait votre père? Il avait les bras levés. Il tenait une pierre. Et avec, il l'a frappé sur la tête. J'ai entendu. Excusez-moi. Il y a eu un coup terrible. Et encore un autre. Pourriez-vous décrire ce que vous avez vu? Elle était par terre. Il y avait du sang. Beaucoup de sang. Quelque chose de blanchâtre. Des touffes de cheveux, mais pas sur sa tête. C'était terriblement effrayant. J'ai détourné les yeux. Alors j'ai regardé sa main. Elle était écrasée. Je ne sais pourquoi mes yeux se sont fixés sur la bague. C'était de l'argent. Je ne cessais de la fixer. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai couru. Qu'a fait votre père, lui? Il m'a poursuivi. Il m'a poussé par terre et il m'a plaqué le visage dans les feuilles. Sans doute pour que j'arrête de hurler. Vous avez finalement cessé de hurler? J'imagine que oui. Parce que je me suis retrouvée sur ses genoux, il me tenait dans ses bras et il me disait que je devais oublier tout ça et que c'était fini. Et il parlait d'une voix douce et réconfortante. Il disait que c'était fini. Que vous a-t-il dit pour s'assurer que vous garderiez bien le secret? Que si je parlais, il n'y aurait personne qui me croirait. Tout le monde penserait que j'étais folle et on m'enfermerait exactement comme ma mère. Ça me terrifiait. Et il disait que tout le blâme retomberait sur moi parce que c'était mon idée. C'était moi qui avais vu Susie et qui avais voulu qu'elle nous accompagne. Si ce n'avait été de moi, elle ne se serait pas trouvée là. Ensuite, qu'a-t-il dit? Il a dit que si j'en soufflais mot, il faudrait qu'il me tue aussi. Aline, que faisiez-vous pendant qu'il vous disait tout cela? J'étais assise sur ses genoux. Et je crois que je pleurais. Aline, enfant, à quoi rêviez-vous? Je ne rêvais pas. Vous aviez des projets. Vous aviez des rêves d'avenir. Je ne croyais pas que j'avais un avenir. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on me tuerait. Bonjour maman, tu me manques beaucoup. Tu sais quoi?
Avant-hier, avec Aaron, on a fait le dessin de la maison en Suisse. Voici le mien. Ça, c'est la maison et ça, ce sont les montagnes. Là, c'est la voiture et là, c'est moi. Tu vois? Aaron a aussi fait un dessin. Aaron, dis quelque chose. Tu le vois, mon dessin? Devine ce qu'on mange. Attention, maman va faire une crise de jalousie quand elle le saura. Qu'est-ce qu'on mange? Du chocolat suisse. Il se pourrait qu'aujourd'hui nous entendions le témoignage du fils de l'accusé. Lorsqu'il vous arrivait de rendre visite à votre sœur, est-ce que vous parliez quelquefois de votre famille ensemble? Oui. Et est-ce que le thème des familles dysfonctionnelles revenait régulièrement? Oui, elle était désobligeante envers mes parents. Les nôtres. N'est-il pas vrai que vous ayez dit à Eileen que si elle tenait à poursuivre ainsi, elle hypothéquait l'avenir de votre enfant qui, toute sa vie, aurait cette sombre histoire à traîner? Non, je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit à Eileen, c'est que elle et Barry étaient adultes et qu'ils devaient agir selon leur conscience. Je n'arrive pas à comprendre l'attitude de gens dans cette histoire. Pourquoi t'as-tu tant à témoigner en faveur de moi? Je ne comprends pas. Qu'avez-vous ressenti en voyant votre père au tribunal? Quelquefois, je ne supporte même pas de le regarder. Et puis, j'ai de nouveau 8 ans, et alors, tout ce que je veux, c'est qu'il ne soit pas fâché. Avez-vous pu joindre Bob? J'ai oublié son numéro de téléphone dans mon bureau, il faudra que je l'appelle en arrivant. Allez au hasard. Le pire qu'il puisse vous arriver, c'est d'appeler un fabuleux docteur. Et votre vie deviendrait merveilleuse. Ma vie est déjà merveilleuse. Voyons, vous savez ce que je veux dire. Jamais il ne me passerait par l'esprit de vous dire que vous devriez avoir une profession, votre vie deviendrait merveilleuse. Mais vous auriez peut-être raison, c'est vrai. Et j'aimerais travailler quand les enfants seront plus grands. Votre mère est bien devenue avocate. Après 2 dépressions nerveuses, 5 enfants et un abominable mariage. Donc, on peut changer sa vie. Rien qu'une fois, je voudrais qu'elle dise qu'elle le regrette. Rien qu'une fois. Lui pardonneriez-vous alors? Vous n'êtes pas la seule que votre père ait blessé et trahi. Pourquoi est-ce que ça dépend de moi? Je crois que cela dépend de celui ou de celle qui est assez fort pour le faire. Et je parie sur vous. Certains matins, je me réveille terrorisée. Et il y a d'autres matins où je me sens... libre? À votre connaissance, est-ce que Kate a jamais encouragé Eileen à divulguer cette information? Objection! La question influence la réponse. Rejetée. Non, c'est tout le contraire. Elle n'a pas cessé de s'opposer à Eileen dès l'instant où Eileen lui a fait part des faits. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Vous avez obéi à votre père et n'avez rien dit pendant 20 ans, c'est bien ça? C'est que je ne m'en souvenais pas. Aviez-vous oublié immédiatement, en rentrant chez vous? Le lendemain, quand? Je ne m'en souviens pas. En rentrant à la maison, je me disais que nous n'aurions pas dû la laisser, elle pourrait avoir froid et avoir peur. Mais vous saviez qu'elle était morte. Je le savais. Mais j'ignore si je savais ce que mort signifiait à cet âge-là. Est-ce que la police est venue chez vous ce soir-là?
Je me souviens avoir entendu du bruit, des portes qui s'ouvraient, des voix. Mais je suis restée dans ma chambre. Vous étiez sa meilleure amie et vous n'avez pas parlé à la police. Objection. Induite en erreur. Accordé. Pendant la période durant laquelle ces souvenirs vous sont revenus, vous étiez-vous déjà souvenu des épisodes où l'on avait abusé de vous sexuellement? Certains souvenirs m'étaient revenus avant celui du meurtre. D'autres sont revenus après. Est-ce que vous décririez vos sentiments envers votre père durant cette période comme étant de la colère? Objection. Quelle est la pertinence? Préjugé, mobile, l'état d'esprit est important. Accordé. Veuillez me pardonner, votre seigneurie. Il est évident qu'elle a des raisons d'être en colère, mais après tout, elle est en train d'accuser son père de meurtre. Elle est le principal témoin contre lui. L'objection accordée est maintenue. Merci. Madame Lipsker, votre témoignage initial dit bien que ce fait s'est produit en allant à l'école. C'est ce que je croyais au début, oui. Et ensuite, vous dites que votre père a emmené Susie vers le milieu de l'après-midi. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était l'après-midi, oui. Vous vous en êtes rendu compte? Ce n'est pas plutôt à cause de la télévision ou des journaux qui disent que la disparition a eu lieu dans l'après-midi? J'ai eu comme instruction de ne pas regarder la télévision et de ne pas lire les journaux. Votre honneur, pourrions-nous avoir un entretien? Je prétends que le témoin a transformé l'histoire et l'a adaptée pour qu'elle soit identique aux faits qu'elle a lus ou entendus à la télévision. Conformément aux instructions, elle ne l'a pas fait. Elle en a témoigné d'ailleurs sous serment. Je voudrais soumettre au juré toute une série de preuves qui sont à la disposition du public. Je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Je dois examiner la question. Je proteste, votre honneur. Il y a aussi énormément de fausses informations disponibles. Aileen n'en a jamais utilisé aucune. C'est une remarque pertinente, maître. Monsieur Ornran, vous pouvez poursuivre vos questions, mais vous ne soumettrez pas de liste de preuves, compris? Merci, votre honneur. Merci, votre honneur. Dans votre témoignage, vous dites avoir vu un fouillis, c'est ce que vous avez dit? Oui. Quand vous êtes-vous souvenu pour la première fois de ce fameux fouillis, parce qu'il n'est pas dans votre déclaration initiale? C'est en parlant avec Elaine Tipton. Elle a insisté pour que je lui décrive ce qu'il y avait d'autre autour. J'ai passé mes souvenirs au crible, au-delà de la tête et de la main de Susie, et j'ai vu un fouillis. Et jamais vous n'avez lu dans les journaux qu'on avait retrouvé le corps de Susie dans une décharge publique? Non, je ne l'ai pas fait. Quel dommage qu'il n'y ait que vous comme témoin pour corroborer cette histoire. Mais il y avait un autre témoin. Qui? Mon père, voyons. Vous n'êtes plus une enfant maintenant. Vous saurez vous prendre en charge. Vous avez raison. J'ai envie de retrouver Barry et les enfants. J'ai envie de prendre un nouveau départ et de laisser tout ça derrière moi. Vous le pourrez. Vous avez cette petite fille qui se cachait dans les placards. Elle n'a pas peur de l'obscurité. Croyez-moi sur parole. Je vous crois. Jamais je n'aurais réussi à m'en sortir sans vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le chapeau blanc. Eh bien, merci, madame. Merci pour tout. Mesdames et messieurs, vous n'auriez à décider que d'une seule chose. Oui ou non, George Franklin, père, a-t-il ou n'a-t-il pas tué Susie Nason? C'est une histoire déchirante. Celle de trois petites filles dont les destins ont été liés par l'acte criminel de George Franklin, père. Susie est morte parce qu'elle a eu confiance en l'accusé. Aileen a survécu en se privant de ses souvenirs et de son enfance. Jessica a pu finalement les réunir. Pour en arriver à ce moment, il a fallu emprunter sur 20 années la piste escarpée de la mémoire, douloureuse et aussi morne et droite
qu'une autoroute en plein désert. Vendredi 30 novembre 1990, après seulement 8 heures de délibération, les jurys trouvèrent mon père, George Franklin, coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Thank you.